Évidemment, Milou. Ça devait bien t'arriver un jour, avec ta vilaine habitude d'explorer les poubelles. Est-ce que je fouille dans les poubelles, moi? J'ai encore eu de la chance. Tu aurais pu te couper. Regarde, comme les bords sont tranchants. Allons en route. Et ne recommence plus, sinon je te mettrai une muselière et je te tiendrai en laisse. Hé! Encore un libre, garçon. Ce cher Tintin, quelle joie de le revoir. Je dirais même plus. Quelle joie de revoir, ce cher Tintin. À votre santé. Oh, ce cher vieux ami Dupont. Quelle joie de vous revoir. Et à part ça, quelle nouvelle? Ça va très bien. On vient de nous confier une affaire très importante. Ah, je dirais même plus. Une affaire. Une affaire très importante. Ah? Regardez, avez-vous lu ceci? Attention aux fausses pièces de 20 francs. Oh oui, j'ai lu cet article. Eh bien, c'est nous qui sommes chargés de tirer cette affaire au clair. Ah? Très bien. Et les reconnaît-on facilement, ces pièces fausses? Oh, vous savez, nous les avons étudiées. Nous les reconnaissons naturellement au premier coup d'œil. Mais, garçon, combien? 15 francs 25, monsieur. Voilà 20 francs. Mais... sinon, tout le monde s'y laisse prendre. Sapristi, je me suis laissé refiler une pièce fausse. Voilà. Merci. Venez chez nous. Nous vous montrerons les documents que nous avons rassemblés pour notre enquête. Volontiers. Où as-tu mis ces documents? Mais c'est toi-même qui les as rangés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Ça nous est envoyé par la sûreté. Il s'agit d'objets qui ont été trouvés sur le corps d'un noyé. Vous avez vu? Il y avait sur lui 5 pièces de 20 francs, toutes fausses. Bizarre, hein? Très bizarre. Vous permettez? Je reviens dans quelques minutes. Je vais le suivre. Ma canne! Sapristi, sa canne! Voilà. Mais enfin, qu'y a-t-il? Il n'y a que le bout de papier qui se trouvait parmi les objets découverts sur le corps de votre noyé provient de l'étiquette d'une boîte à conserve. Et que la boîte dont il a été arraché, je l'ai eu en main, un peu avant de vous rencontrer. Voilà, c'est dans cette poubelle-là que je l'ai jeté. Un instant. Tintin, n'as-tu pas honte? Fouiller dans les poubelles comme un vulgaire chien de rue. Elle n'est plus là. Et pourtant, je suis certain de l'avoir jeté ici. C'était une boîte de crabes, je m'en souviens très bien. Ouvrez votre sac. Non. Non, il ne s'y trouve pas. Bizarre autant qu'étrange. Je dirais même plus. Étrange. Que s'est-il passé? Des types complètement timbrés. Ils sont à la recherche d'une boîte de conservie. D'une boîte de crabes. Une boîte de crabes? Un os? D'où vient-il celui-là? T'en vas-tu enfin obéir? Voilà, il ne recommence plus. Mais alors j'y songe. Le petit papier se sera envolé tout à l'heure. Ah, le voilà. Voyons cela maintenant. Est-ce que je deviens fou? Je suis pourtant certain d'avoir déposé ma loupe ici il y a une seconde. Je vais repasser au crayon sur tout cela. Voilà toujours un K, un A, et ça c'est un R ou un I. Oh, ça va, j'y arriverai. Jean. C'est un nom arménien, ça. Karaboudjan. Un nom arménien. Bon, et puis après, me voilà bien avancé. Au secours! Au secours!
concierge. C'est un japonais ou un chinois qui avait une lettre pour vous. Mais comme il allait me la remettre, une auto s'est arrêtée devant la porte. Trois hommes en sont descendus. Ils ont sauté sur le monsieur chinois et ils l'ont assommé. Moi, naturellement, j'ai crié au secours. Mais un des bandits m'a menacé d'un revolver gros comme ça. Puis ils ont jeté le monsieur japonais dans leur voiture et ils sont partis avec la lettre. Une boîte à conserve, plus un noyer, plus cinq pièces fausses, plus carabou de Jean, plus un japonais, plus une lettre, plus un enlèvement, égale un fameux casse-tête chinois. Allô? Oui? Ah, c'est vous! Quelle nouvelle? Comment? Oui, on a identifié le noyer sur lequel on avait trouvé ce mystérieux bout de papier et cinq fausses pièces de 20 francs. C'est un nommé Herbert Devers, du cargo Caraboudjan. Le cargo Caraboudjan? Vous dites bien Caraboudjan? J'ai failli être écrasé par cette lourde caisse. Et vous-même, que faites-vous ici? C'est un maillon qui a cédé. Nous allons à bord du Caraboudjan pour l'affaire du matelot noyé. Hein? Puis-je vous accompagner? Resterez-vous longtemps à bord? Non, une demi-heure, tout au plus. Occupe-toi de lui pendant que je les reçois. Il ne faut pas qu'il redescende à terre. Compris. Alors, entendu. Je vous attendrai ici dans une demi-heure. Ici? Bon. Bonjour, lieutenant. Nous venons au sujet de ce malheureux matelot. Très bien, messieurs. Voulez-vous venir dans mon cabine? Nous y serons mieux pour causer. Oh, prenez garde. Il y a une marche. Oui, je vois. Et la porte est fort bas. Ainsi, ce matelot avait l'habitude de s'enivrer. La veille de sa mort, vous l'avez rencontré en ville, complètement saoul. Il est donc tombé à l'eau en voulant regagner le navire. Pour moi, l'affaire est claire. Je dirais même plus. C'est clair. Excusez-moi, lieutenant, c'est pour vous dire que j'ai terminé mon travail. Ok, je vais aller voir. Il faut d'ailleurs que nous partions nous aussi, mon cher lieutenant. Nous vous avons déjà fait perdre assez de temps. Pas du tout. Je serais enchanté si j'avais pu vous être utile. Yes, cette porte est réellement un peu basse. Un peu, oui. Un tout petit peu. Jeune homme qui était monté à bord en même temps que vous m'a chargé de vous dire qu'il ne pouvait plus vous attendre. Il vient de partir. Ah, Tintin, c'est vrai, nous l'avions oublié. Attention, il y a une marque. Au revoir. Au revoir. Mais où donc a bien pu passer Tintin? Dites donc, ça va durer longtemps cette petite plaisanterie? Oui et non, en petite, messieurs. Ça dépend. Ah, pourrais-je au moins savoir pour quel motif on me retient ici à fond de cale? Ne fais pas l'innocent. Tous ces cela mieux que nous. Mais enfin... Milou, mon vieux Milou, toi? Chut. Dites-moi, Milou, il s'agit de ne pas moisir ici. À la première occasion, nous brûlerons la politesse à ces forbans.
vient de recevoir du patron. Lis-le. Envoyer T par le fond. Et moi qui viens justement d'envoyer Pedro lui porter à manger. Bah, fais prendre une corde, un poids de fonte. C'est bien gentil de m'apporter à manger. Mais comment dois-je faire? J'ai les mains liées derrière le dos. De Juste, je m'en vais vous détacher un peu. Mais faites attention, hein? Au premier geste suspect, compris? Il m'a demandé de relâcher ses liens, afin qu'il puisse manger. Je me suis approché pour le faire, mais à ce moment, il a reçu un formidable coup de poing et... ce n'est rien à côté de ce que va te passer, lieutenant. Crétin, sombre idiot, il va falloir le retrouver maintenant, imbécile. Il est armé à présent. Pourvu qu'elle contienne des vivres, alors barricadés comme nous le sommes, nous pourrons soutenir un siège. Sinon... voyons ça. Ça, par exemple, des boîtes de crabes. Pour pas d'erreur, ce sont bien les mêmes boîtes. Nous tirons ça au clair plus tard. Continuons notre inventaire. Et du champagne. Milou, mon ami, notre ravitaillement est assuré. Étonnant. Mon vieux Milou, ça t'offre l'apéritif. Chut, silence. Ils sont certainement à notre recherche. Inutile d'essayer d'ouvrir cette porte et se barricader naturellement. Nous l'aurons par la fin. Que vous croyez, messieurs? De l'opium. Ainsi, nous voilà sans le vouloir sur la piste de trafiquants de stupéfiants. Seulement, cela change tout à fait la situation. Ils ont raison. Nous n'avons rien à manger. Quoi? Du moment que nous avons à boire. Voyons si nous ne pourrions pas filer de ce côté. À moins que... oui, oui, je crois que j'ai une idée. Monsieur le capitaine, vous demande. Le capitaine, que me veut-il, ce vieil ivrogne? Oui, je vous ai fait appeler, lieutenant. C'est honteux. C'est honteux. On me laisse mourir de soif. Ce n'est plus une goutte de whisky. C'est inadmissible, en effet, capitaine. Je vais vous en apporter tout de suite. Tu es le seul qui... le seul qui... Oh, vous savez bien... vous savez bien que pour rien au monde, je ne voudrais vous voir manquer de whisky. Car ainsi, je reste le seul maître à bord. Et j'ai fait ce qui me plaît. C'est peut-être le whisky qui... Chut! Pas un cri! Qui êtes-vous? Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo et qui... Maudit cargo? Sachez que j'en suis le capitaine et que je peux vous faire mettre au fer. Merci, je sors d'en prendre. J'ai déjà passé suffisamment de temps dans vos cales remplies d'opium. De l'opium? Il y a de l'opium dans les cales? Dans mes cales, à moi? Ignorez-vous? De l'opium? Mais comment? C'est affreux! Je suis un honnête homme, moi! Et pas un... mais alors qui... mais c'est Alan, le premier lieutenant qui... il m'a trompé! Bon, écoutez, il faut m'aider, capitaine. Et d'abord, vous allez me promettre de ne plus boire. Songez à votre dignité, capitaine. Que dirait votre vieille mère si elle vous voyait dans cet état? Ma vieille mère... Voyons, capitaine! Pour l'amour du ciel, taisez-vous. Maman. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ici?
Je suis un misérable. Allons, buvez. Cela passera. Non, non, non. Je lui ai promis de ne plus boire. Je ne boirai plus. À qui avez-vous promis cela? Au jeune homme qui est venu ici. Quel jeune homme? Allez-vous me répondre? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Tenez. Gimbo, tu vas rester ici et surveiller ce hublot. Si quelqu'un essaie de s'y introduire, tu l'as pas compris? Voici une arme. Bien. Il doit être évanoui. Oui. Ou bien il fait le mort. Ah! Canaille! Un bouchon de champagne. Et alors? Viens vite, remontons. J'ai bien surveillé les houblottes, lieutenant, mais pas l'armoire sous les lits. Et c'est là qu'il s'était caché. Lieutenant, le radiotélégraphiste, je viens de le trouver ligoté, émaillonné. Dites, lieutenant, c'est rigolo. Un des grands canaux a disparu. Mon Dieu, j'ai soif et froid, mais j'y songe. Il y a ici un tonne d'eau douce. Des biscuits et du rhum. Mais j'ai promis de ne plus boire et je tiendrai parole. Après tout, si j'en buvais une toute petite gorgée, simplement pour me réchauffer. Ça fait du bien. Encore une là, et puis voilà la fin. Tiens, elle est déjà vide. Pauvre petit, comme il dort bien. Mais il doit avoir rudement froid, lui aussi. Oh, oh, j'ai une idée. Non, Ram, êtes-vous fou? Si, 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 tu éteins ça, tu auras affaire à moi, moussaillon de malheur. Un hydravion, nous sommes sauvés. Il porte l'indicatif du Maroc, CN. En plein dans le mille. Touché. Regardez, il sort. Stupide malchance. Une seule balle, et il a fallu qu'elle coupe net le câble d'allumage. Heureusement, ce ne sera pas long à réparer. Vas-y, moi je les surveille. Voyons, voyons, ils sont tous les deux du même côté. Qu'allez-vous faire? Ça avance? Oui, j'ai presque terminé. Ça y est, je serre le dernier boulon. Où les mains? Quel diable de garçon! Il a réussi! Capitaine, tâchez de trouver une corde pour ligoter solidement ces deux gaillards. Allons, embarquons. Et maintenant, dites-moi, qui vous a payé pour faire cette triste besogne? Inutile, ne dirons rien. À votre aise. Mais peut-être retrouverez-vous votre langue lorsque vous serez entre les mains de la police. Dites donc, vous savez piloter, vous? Vous êtes sûr que c'est bien la direction d'Espagne?
plus. Reste à savoir si nous arrivons. Nous allons avoir un fameux coup de tabac. Mon Dieu, c'est épouvantable. Jamais nous en sortirons vivants. Si au moins c'était du whisky. Mais c'est du whisky. Dites, ça a l'air d'être très amusant. Allons, laissez-moi piloter à fond. C'est bien le moment. Mais puisque je vous dis que je veux... Mais lâchez ça, malheureux. Tu me laisses piloter, oui ou non? Une fois, deux fois, trois fois. Laissez-moi tranquille. Tu es entêté. Alors, voilà pour toi. Nous l'avons échappé belle. Mon Dieu, les deux prisonniers, ils sont restés dans l'avion. Arrêtez, c'est de la folie. Certain que nous sommes en Espagne. En tout cas, nous devrions y être. Quel os! Où as-tu encore déniché ça? Viens voir. Et tu sais, il y en a encore beaucoup. Vous voyez? Il y en a pour tout le monde. Un dromadaire. Un dromadaire? Mais il n'y a pas de dromadaire en Espagne. Nous ne sommes pas en Espagne, hélas. Nous sommes en plein Sahara. En plein Sahara? Et alors, cet animal est mort de... Mort de soif, naturellement. Eh bien, qu'avez-vous? Un étourdissement? Le pays de la soif. Le pays de la soif. Le pays de la soif. Allons, du courage, tout n'est pas perdu. Le pays de la soif. Il a l'air d'avoir un sérieux coup de bambou. Les prisonniers ont disparu. Le pays de la soif. Je comprends. Leur lien est à moitié brûlé. Il ne leur a pas été difficile de les briser. Là-bas, ils sont déjà loin. Inutile de songer à les rejoindre. Oh, tant pis. Allons en route, capitaine. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir un puits. Le pays de la... À boire, je n'en puis plus. Courage, capitaine. Nous allons nous reposer un peu à l'ombre de cette dune. Voilà, étendez-vous quelques instants, cela vous fera du bien. Tintin, où êtes-vous? À boire. À boire. Toujours rien. Rien que le désert.
bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. Diable de bouchon, va te sauter. Oui, attrape ça. Merci tout de même, Milou. Tu fais de mon mieux. Bon, toute blague, hein. Je ne suis pas une bouteille de champagne. Mettez-vous cela bien dans la tête. Là-bas, un lac. De l'eau, de l'eau. Arrêtez, malheureux, c'est un mirage. De l'eau, de l'eau. À boire. Vous l'avez bien dit, c'était un mirage. Il n'y a pas de lac. Je l'ai pourtant vu. Nahminahon, Mohamed Zaz. On a crié au secours. Oh, quel cauchemar! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Toi, Yana, venir avec moi. C'est l'œil Hassan. Ça, Yana, le jeune Rumi, mon lieutenant. Ah, vous voilà, jeune homme. Entrez donc, heureux de vous voir sur pied. Lieutenant Delcourt, commandant le poste d'Afghar. Enchanté, lieutenant. Mon nom est Tintin. Comment se fait-il que... Que vous vous retrouviez ici? Eh bien, voilà. Hier, vers midi, mes hommes ont aperçu à l'horizon, bien loin vers le sud, une colonne de fumée. J'ai immédiatement envoyé une patrouille qui, ayant relevé vos traces, vous a trouvé inanimé et vous a ramené au bord. Et mon compagnon? Le voilà justement. Entrez, entrez. Et toi, Ahmed, apporte trois verres et les apéritifs. Alors, cette fumée, c'était votre avion? C'était notre avion. Nous avons atterri un peu brutalement. L'appareil a capoté et a pris feu. Merci, lieutenant. Je ne prends jamais d'alcool. Non? Vraiment? Non, merci, lieutenant. Moi non plus, l'alcool, je n'en bois jamais. Ah, et vous non plus, capitaine Haddock? Bon, je n'insiste pas. En tout cas, lieutenant, vous nous avez sauvé la vie. Sans vous, sans vos méharistes, nous mourions de soif. C'est pourquoi vous avez tort de ne pas prendre un verre avec moi. Mais n'en parlons plus. Expliquez-moi plutôt ce que vous veniez faire en ce pays perdu. Et voici les dernières informations. La violente tempête qui a fait rage toute la journée d'hier a causé la perte de plusieurs navires. La vapeur Tanganyika a coulé au large de Vigo. L'équipage a été sauvé. On a capté un SOS lancé par le cargo Karaboudjan. Un autre vapeur, le Benares, qui s'était immédiatement porté au secours du navire en détresse, a croisé toute la nuit dans les parages sans apercevoir ni épave ni naufragé. Ce qui laisse supposer que le Karaboudjan a péri corps et bien. Bizarre, ne trouvez-vous pas? En effet. Le Karaboudjan n'est pas une coquille de noix, ce diable. Il n'a plus coulé si vite qu'on ait eu le temps de mettre les canaux à la mer. C'est incompréhensible. C'est bien ce que je pensais. Lieutenant, y a-t-il moyen de partir aujourd'hui même? Je voudrais atteindre la côte le plus vite possible. Je vous expliquerai pourquoi. Aujourd'hui même? Oui, c'est possible. Je vous donnerai deux guides, cela suffira. Depuis plusieurs mois, la région est sûre. Allah les prophètes.
Nous irons d'abord chez le commandant du port. Peut-être pourra-t-il nous donner des nouvelles du Karaboutch. Bonne idée. Tintin, Tintin, où allez-vous? Laissez-moi passer, vous! Allons, circulez! Circulez! Comment faire pour retrouver Tintin? Et maintenant, j'ai le commandant du port. C'est combien nous saillons? 15 francs. Police! Police! On m'a volé mon porte-monnaie, j'en porte plainte au voleur, mon porte-monnaie. C'est honteux, c'est une ruse finouille ici. On me rend mon porte-monnaie. Et le voilà, votre porte-monnaie. Et ne criez plus comme ça. Et ne recommencez plus, surtout, ou sinon... On prie, amiral. Faitons le vin, le bon vin gai, car il nous faut pour naviguer, oui, car il nous faut pour naviguer le cœur léger. Il nous faut voir, oui, voir la vie en rose, le vin nous donne un cœur léger, car il nous faut un cœur léger pour narguer la danger. La bouteille et la mer sont mes bons amis. Le vieux rhum et le whisky nous font faire de grandes folies. Le vin rend le courage à l'esprit le plus soucieux. La mer immense, on se sent bien plus joyeux. Le bon vin est votre ami, un ami d'alerte compagnie. La bouteille et la mer sont aussi mes meilleurs amis. Savoir, c'est le Karaboutchian. Police, arrêtez-le. Police. Tiens. Dis que c'est le Karaboutchian, mille sabords. Moi, c'est moi qui suis le capitaine. Ce n'est pas le Tchepel Chose, le Tchepel Machin. Il faut les arrêter tous. Et qu'il est plein d'opium. C'est moi. Quoi? Êtes-vous le capitaine ici? Tu es sûr? Et il a reconnu le bateau. Tonnerre. On l'a mené au poste. C'est bien, j'arrive. C'est bizarre. Le capitaine n'est pas encore arrivé. J'avais pourtant bien dit que nous irions d'abord chez le commandant du port. Allô? Les services du port, oui? Ah, c'est Monsieur Tintin.
Le capitaine Haddock? Ah non, nous ne l'avons pas encore. Ça devient inquiétant. Où est-il arrivé? Le capitaine Haddock, nous venons de le relâcher. Il y a 5 minutes à peine qu'il est parti. On l'a amené ici hier dans la soirée. Il causait du scandale sur la voie publique. Il nous a déclaré en partant qu'il allait chez le commandant du port et qu'il avait quelque chose de très important à vous dire. En courant, vous le rejoindrez vite. Trop tard. Taxi à la gare du Sud. Vite, vite, suivez cette voiture. Veuillez descendre, jeune homme, j'étais le premier. Je vous demande pardon, monsieur, mais j'étais avant vous. Mon jeune ami, je n'ai pas l'habitude de discuter avec des freluquets. Descendez, et plus vite que ça. Je dois être dans un quart d'heure à la gare du Sud. Et moi, monsieur, je dois être d'urgence à l'Institut Pasteur, car je viens d'être mordu par ce chien enragé. Vite, chauffeur, vite, suivez cette voiture. Quelle voiture? Mais sabristi, celle qui... Mon Dieu, elle a disparu. Il ne me reste plus qu'à retrouver la ruelle où j'ai perdu de vue le lieutenant du Caraboudjan. Oh, ben je ne me trompe pas. Voilà ses chers amis Dupont et Dupont. Juste ciel! Vous êtes donc sains et saufs. Nous avions perdu tout espoir de vous trouver vivant. Ce que je trouve vraiment extraordinaire... c'est qu'il nous ait reconnu comme ça tout de suite. Dites-nous maintenant, que s'est-il passé à bord du Caraboudjan? Quand on nous a communiqué le texte de votre radio, nous avons immédiatement pris l'avion pour Bulgare, qui devait faire escale le Caraboudjan. Et ce n'est ici que nous avons appris son naufrage. Vous êtes sûr qu'il transportait de l'opium? Absolument sûr. La drogue était dissimulée dans des boîtes à conserve entourées d'une étiquette ornée d'un crabe rouge portant les mots crabe extra. Des boîtes de crabe. Au fait, j'y songe. J'en ai vu une chez le fripier où nous venons d'acheter nos burnous. Est-ce vrai? Vite, allons voir. Qu'as-tu fait de cette boîte de crabes qui se trouvait sur cette table? C'est bien cela. Ouvrez cette boîte. Voilà, Titi. Regardez! Oui, en effet, c'est du crabe. Naturellement, Citi, il y en a des bons crabes. Des bons crabes, Citi, bonne qualité. Oui, c'est bien du crabe. Pourtant, j'ai vu les mêmes boîtes à bord du Caraboudjan. Et celle-là comptait de l'opium. C'est bizarre. Je dirais même plus. Bizarre autant qu'étrange. Dis-moi, où as-tu acheté cette boîte? Chez Mohamed Ben Ali, Citi. La boutique au coin de la rue. Regardez, pas d'erreur, ce sont les mêmes boîtes. Eh bien, il n'y a personne? Je dirais même plus, il n'y a personne. Hola, quelqu'un? Dupont, Dupont, où es-tu? Eh bien! Faites attention! Il y a une marche. Viens de passer? Non, ça va. Oui, ça va. Attention, votre chapeau. Que faites-vous ici? C'est vous le propriétaire de cette boutique. Je désirerais connaître le nom et l'adresse du fournisseur qui vous a vendu ces boîtes de crabe. C'est Omar Ben Salah, Sidi, le plus gros négociant de Bulgare. Il est riche, Sidi, très riche. Il a un palais magnifique, chevaux, autos, des terres immenses dans le sud. Il possède même une machine volante, Sidi. Un avion, comme disent les Roumis. Voulez-vous m'aider et mener au sujet de cet Omar Ben Salah d'une enquête discrète? Essayons, entre autres choses, de savoir le numéro d'immatriculation de son avion particulier. Mais faites cela discrètement, hein? Très discrètement. Comptez sur nous, mon cher ami. La discrétion, nous ne connaissons que cela. Bottes et bouche cousue. Telle est d'ailleurs notre devise. C'est cela.
Vatus et mouche cousue, c'est notre devise. Et maintenant, il s'agit de délivrer le capitaine. Allô ? Lieutenant ? Ici Casimir. Oui, nous avons le capitaine. Oui, il a un peu crié. Oui, vous arrivez ? Dans une heure. Bon. C'est bien ici qu'habite Monsieur Omar Ben Salah. Nous désirons lui parler. Mon maître, il vient de sortir, Sidi. Lui voilà qui s'en va là-bas. Place au puissant Marc Ben Salah. Suivons-le. Naturellement, nous entrons. Mon bon seigneur, Anna vous le rendra. Fortissime indien, pouilleux, vire des terres. Il n'est guère plus poli. Par la barbe du prophète, voleur, ici Vermine, prends-moi mon gigot. Un gigot tout entier. Sale chien! Si jamais je l'y retrouve! Dis-moi! Un homme. Tu ne connais pas Diogène? C'était un philosophe grec qui logeait dans un tonneau. Dans un tonneau! Milou, sapristi, je crois que j'ai trouvé! Et voilà, Milou! Par ici, la sortie! Eh bien, ça, mon vieux Milou, nous sommes sur la bonne piste. Du Caraboudjan. Brut! Comment dit? Aïe!
Aïe. Aïe. Hurle le temps que tu le voudras. Personne ne peut t'entendre. Montre-toi plutôt raisonnable. Allons, une dernière fois. Dis-moi où est Tintin. Ici. Haut les mains, que personne ne bouge. Et vous là-bas, rendez la liberté au capitaine. Dans mes bras, que je t'embrasse. Mon Brony. Trop tard. Par ici, vite. Tes cheveux, mon Dieu, tes cheveux. Bloqué. Nous les tenons. Cette cave n'a pas d'autre issue. Hurrah! Ils ont battu en retraite. Tout ce bon vin. Oh, que c'est triste. Pas de bêtises, hein. C'est pas le moment de boire. Voyons, me prenez-vous pour un ivrogne? C'est facile. J'ai la tête qui tourne. L'océan est comme une femme, tra-la-la-la-la, idiot. Capricieuse et douce à la fois, tra-la-la-la-la, idiot. La mer a pris toute mon âme. Il emmène le whisky, je crois. Dites-moi pourquoi vois-je double. Auriez-vous un frère jumeau? 1 000 000 000 000 de roubles. 2 000 C'est encore plus beau. Mes amis, votre capitaine, oui, votre capitaine, est aujourd'hui le roi du vin. Tra-la-la-la-la-idou, chantez avec nous la rengaine. Le roi boit, hélas, c'est certain. Tra-la-la-la-la-idou, allons, finis de rire, lâche cette bouteille. Ma bouteille, sacripant, trahison, vengeance, renégat, hérétique, esclavagiste, flibustier, végétarien, pirate, corsaire, harlequin, hydrocarbure, zoulou, canac, gyroscope. Vengeance! Morito, entrassique-moi de coco! Cannibal, un propos pistolette, commerce noir. Le voilà rentré chez lui. Si nous allions l'interroger. Seigneur, il y a deux roumis qui demandent à te parler. Ils ont dit qu'ils étaient chargés d'une petite enquête. C'est bien, introduis-les, je vais les recevoir. Voici, Monsieur Omar. Nous sommes chargés de mener une enquête à votre sujet. Une enquête discrète, comme de juste. Ah, et à quel propos cette enquête? Un de nos amis, un jeune homme nommé Tintin, vous soupçonne de vous livrer au trafic des stupéfiants. Est-ce exact, Monsieur Salad? Par la barbe du prophète, osez soupçonner Omar Ben Salad? Ordisi, chien d'infidèle, ordisi, ordisi tout de suite, ou je vous fais écorcher tout vif. Chapeau, ectoplasme, marin d'eau douce, un chibouzouk,
Zoulou de Réfort. Ainsi, c'est donc toi, Tintin. Eh bien, mon jeune ami, cette fois, ta dernière heure est sonnée. Qui est cet homme? Omar Ben Salah, nous venons précisément de l'interroger et il nous avait assuré de sa complète innocence. Innocent, lui? Je viens de retrouver des boîtes d'opium dans ses caves. Et puis regardez! Regardez ce bijou! Des pinces de crabe en or! Ce chef de la bande, j'en suis sûr. Vite, téléphonez à la police. Allô, allô, police? Ici, Dupont et Dupont, détective diplômé. Après une longue et périlleuse enquête, nous avons réussi à découvrir une bande de trafiquants d'opium. Oui, parfaitement. Et leur chef est un individu nommé Ben Salah, que nous tenons à votre disposition. Qu'est-ce que vous dites? Omar Ben Salah, est-ce que vous vous payez ma tête? Omar Ben Salah, l'homme le plus respecté de toute la ville de Bugar, vous l'avez... capturé, oui. Que le ciel nous tombe sur la tête si ce n'est pas la vérité. Omar Ben Salah, trafiquant d'opium. On aura tout vu. Mais que se passe-t-il encore? Ouah, la police. Lui, encore lui. Il faut arrêter son œuvre, c'est un bandit, c'est un faux informant. Il m'a donné des coups de bâton. Oh, ce ne sont pas les coups de bâton qu'il vous faut. C'est un bon coup de matraque. Ah, la police? Messieurs, voici l'homme que nous avons réussi à capturer. Je dirais même plus, voici l'homme. Que quelques hommes m'accompagnent. Il y a encore des complices dans la cave. Le lieutenant s'est échappé et c'est le plus dangereux de tous. Il aura fui par l'autre issue. Que vos hommes s'occupent des bandits qui se trouvent dans cette cave. Nous allons essayer de rattraper l'autre. C'est un marin. Il est probable qu'il se sera dirigé vers le port. Police! On m'a volé un de mes canots automobiles! C'est lui, je le reconnais! Vite! Un autre canot! On va voir. Notre canot est plus rapide que le sien. C'est des dangereux embarqués. Très terrible, lui. Il y en a un qui se relève. Qui? Ma parole. C'est Tintin. Il a maîtrisé son adversaire. Il fait demi-tour. Oh, il revient. Vite, passez-moi cette longue vue. Il ramène le lieutenant. L'équipage du Caraboujan est au grand complet. Du calme, brigadier. Qu'allez-vous faire là? C'est grâce au capitaine Haddock que nous avons cerné le Djebel Amila, qui n'était autre que le Caraboujan camouflé, et que nous avons arrêté tout l'équipage. Les mains en l'air, mon ami. Passez-lui les menottes. C'est grâce à vous, monsieur Tintin, que la bande du crabe aux pinces d'or, au grand complet, se trouve aujourd'hui sous les verrous. Attention, vite! Ils vont se noyer! Comment faire?